Hey, bonsoir à tous et bienvenue pour l'épisode 24 de la série spéciale sur plein de zombies. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Donc on est reparti, donc c'est la suite de ce niveau, donc du niveau 6. Donc on est reparti. Alors je baisse un peu le son, désolé. Alors maintenant ça dérange moins, vous voyez. Mais... Alors, donc comme vous l'avez dit, si vous vous rappelez plus, on devait remplacer les lignes toutes dernières là. Par voilà. Parce qu'en fait, les enfoirés là de trucs catapultes, là en fait ils attaquent les catapultes. Je crois que j'ai dit autre chose. Mais bref, c'était pas fait exprès. En fait, ils attaquent que les dernières lignes, que les derniers trucs. Tout au fond. Et du coup, on a décidé de mettre les fleurs que, bah, qu'une ligne de fleurs cette fois. Mais dans la deuxième ligne, comme ça voilà, les fleurs sont pas atteintes. Mais au moins, ça fait plus de trucs qui attaquent. Voilà. Voilà. Et du coup, en fait, les zombies normaux, ils font des têtes bizarres et du coup, ils attaquent jamais. Du coup, on va faire une deuxième ligne de remparts. Parce que c'est comme ça, on est trop riche, on a trop d'argent. Et voilà. En fait, c'est surtout parce qu'on a trop de peau, quoi. On... Voilà. Enfin, pas trop de peau de la chance, quoi, mais voilà, vous avez compris. En plus, c'était même pas une blague. Et voilà. Attention, c'était la fin du niveau. Donc, on obtient la sauveuse. C'est une plante, mais géniale. C'est de la feuille de parapluie. Protège les plantes alentour des élastiques et catapultes. Donc, cette plante, il faut la bénir. Tout simplement. Non, mais c'est simple. Non, rien d'autre. Il faut la bénir, cette plante. Alors, en fait, j'aurais pu finir l'épisode 6. Enfin, le niveau 6, en fait, dans l'épisode 23. En fait. Bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on l'ait terminé. Donc, cette plante, elle est géniale. Donc, déjà, ça protège de ces zombies, là. Bon, ils ont pas vraiment, vraiment dérangeant, quoi. Le plus, c'est eux, là. C'est des gros enfoirés. Donc, en fait, ça... Comment dire? Ça fait rebondir. Enfin, bref, vous allez voir. Bon, je la prends. En fait, je la prends à la fois pour vous montrer, mais à la fois surtout pour moi. Parce que cette plante, je vous jure que tant que ce mec-là... Ce mec, voilà, j'ai cru que le jeu allait cracher. Ce mec est là, et bon, ce mec, bon, je crois... Enfin... Alors, vous savez quoi, en fait, on va l'utiliser jusqu'à la fin. Ouais, on va l'utiliser jusqu'à la fin. Parce que cette... jusqu'à la fin du jeu, on va l'utiliser. Bon, sauf au boss de fin, hein, parce que c'est un... Enfin, bon, je vais pas vous spoiler, mais bon. Mais bon, voilà. Genre, c'est pas nous qui choisissons les plantes, mais bon. Alors. Mais je crois aussi qu'elle apparaît. Enfin, donc, on prend ça, comme d'hab, on prend ça... On prend qui après on prend alors bien sûr elle vu qu'il y a le zombie, oui, on va prendre les trucs normaux là, les noix, voilà. Et après l'aimant cette fois il va servir, parce que la dernière fois j'avais pris l'aimant, il servait à rien. Je réfléchis, ouais, c'est bon, c'est bon. Et tac, voilà. Parce qu'en fait, il y a le zombie échelle. Comme ça, on a juste à mettre l'aimant derrière et voilà. Alors, je pense que ça va être un niveau qui va bien se passer. Enfin, j'espère. Alors. Vous allez voir l'efficacité de cette plante. Enfin, l'efficacité, le... Voilà. Bah ouais, l'efficacité. Et l'utilité aussi de cette plante. Parce que cette plante, je vous jure, mais sans elle, vous êtes mort. Enfin, vous allez voir la suite du jeu, quoi. Genre, les mecs... Alors... Ah, j'ai pas pris les oignons. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça sert à rien. Bah, tu me diras, les zombies normaux, ils peuvent pas passer comme ça. Mais bon. Vous allez voir, on va s'en sortir. Voilà. Par contre, il faudrait que je... Parce que là, en fait, j'enregistre ça juste après avoir tourné. Genre, quelques secondes après avoir tourné l'épisode 23, quoi. Donc le 5 février 2020. Maintenant je dis les dates, hein, quand je tourne des épisodes que je sais qui vont apparaître dans quelques jours. Enfin là ils vont apparaître, lui il va apparaître je sais pas quelques jours plus tard, quoi. Mais voilà. Quand je tourne par exemple une vingtaine d'épisodes en un seul mois par exemple, voilà, je dis les dates. Comme ça voilà. Par exemple pour Plants vs Zombies 2, parce que oui, après celui-là, je vais faire un nouveau let's play, hein. Enfin un nouveau let's play, voilà, ce sera la suite de lui. Et après, j'ai vu que Plants vs Zombies 3 va bientôt sortir, vous imaginez? Plants vs Zombies 3, et ça serait, et en fait, ça sera un Plants vs Zombies en 3D. Pas les Plants vs Zombies genre sur Xbox et tout, en mode Call of Duty, en mode Plants vs Zombies, non. Là, c'est un Plants vs Zombies, c'est le même principe, sauf que c'est en 3D.
Voilà, c'est génial. Alors j'ai pas vu le teaser parce qu'en fait ils vont me spoiler une nouvelle plante. D'ailleurs, Plants vs Zombies 2, je connais quelques plantes parce qu'il y a des enfoirés. Alors Google là, enfin Google, YouTube. En fait, vous savez, je cherche, des fois je regarde des vidéos de Plants vs Zombies, hein, tout court. Et en fait, du coup, ils mettent, vous avez les miniatures, il y a des gens dans les miatures, ils aiment bien mettre des plantes, en gros plantes, tu me diras, moi aussi je fais ça. Mais pour le 1, enfin tu me diras, enfin bref. Et en fait, moi j'ai jamais recherché le Plants vs Zombies 2, et YouTube, ce connard, il m'a mis en recommandation des vidéos comme ça. Et du coup, en fait, j'ai pu me spoiler des plantes. Par exemple, je sais qu'il y a un pistopois qui est en mode fluo, enfin. Voilà, merci YouTube, putain. Oh là là, sérieusement quoi. Bon bref, c'est pas grave, de toute façon je sais même pas ce qu'ils font les plantes là. Oh mon dieu! Une noix, voilà, c'est la noix de secours. J'appelle ça maintenant comme ça, les noix de secours. Maintenant je peux mettre des fleurs jusqu'au dernier truc. Bon, dès que j'ai une double fleur, ça veut dire que ça sent bon quoi. Alors, déjà, ça là... Ah merde. En fait, ça, il faut en placer... Alors je vais vous montrer le pattern pour les placer. En fait, ça prend l'espace tout autour d'elle en carré, voilà. Comme une table de craft, ça passe, bref. C'est comme si vous mettez votre curseur sur le milieu d'une table de craft, et le tour, c'est son périmètre, voilà. C'est un exemple nul. Voilà, il faut les placer comme ça. Et après, il faudra en placer une ici et ici. Voilà. De toute façon, vous allez voir. Hein. De toute façon, ça se recharge assez rapidement, c'est cool. Tac, tac. Voilà, c'est parce que c'est bien. Ouais, j'allais dire, faudrait que je vois le passage. Comment j'ai pu me foirer dans le dernier niveau? Vous savez, le niveau 6 là. Comment j'ai pu être autant en galère? Genre, dès le début du niveau, il y avait plein de zombies qui auraient ça à rentrer. Comment j'ai pu faire ça quoi? Quand c'est possible, surtout. Bon, c'est cool parce que là, il mange le pot là où normalement je mets ma ligne de rempart. Donc là, je commence à mettre ma ligne de rempart. Ça va te déranger. Tac. Donc voilà, ces plantes là, vous allez voir, je pense à la première vague. En fait, ils vont dévier les balles de baseball que nous envoie là, le flemmard. Je vais l'appeler le flemmard parce que genre il est assis tranquille dans sa petite machine et il nous balance des ballons. Quoi. En plus, c'est même pas lui qui les balance, c'est une catapulte. Enfin, le zombie flemmard, tout simplement. Je pense que ça sera le titre de l'épisode 23. Le zombie flemmard. Bon, bref. Tac. Ah, il faut que je mette les aimants! Merde! Ah bon, ça c'est pas bon. Voilà, j'en mets un là. Voilà, regardez. Attention. Regardez comment il est vie. Tadam! Et voilà, et en plus, il prend même pas de dégâts. C'est génial. Bon, du coup, quand il y en aura plein, ce sera le gros bordel. Vous n'aurez plus rien. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais en mettre un là. En fait, je vais mettre trois trucs ici. Et du coup, en fait, il y aura trois remparts. Voilà, il y aura trois remparts. Il y aura trois remparts comme ça. Voilà. Je commence à placer les pots pour les prochains remparts. Et du coup, c'est pareil pour les zombies élastiques quand ils vont venir. Paf. Donc, quand il y aura plein de zombies élastiques et plein de balles, ça va être un gros bordel. Oula! Voilà. Tac. Putain, il faut vite des remparts là. Vite des remparts. Ah, j'ai ce qu'on va faire. En fait, on va enlever les fleurs. En fait, il y aura qu'une ligne de fleurs. Voilà, parce que sinon, en fait, on n'a pas assez de... On n'aura pas assez de catagraines, sinon. On n'en aura pas assez. Voilà. Ah non, mais je suis con, là. Je suis en train de faire... Ah là, je suis en train de faire... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il me reste pas grave. Au moins, ça fait plus de... Voilà. Quoi Non, attends, quoi? Pourquoi il fait ça? Quoi? Qu'est-ce qui... Mais je savais pas que tu pouvais faire ça! Putain, mais hey, je disais que What? C'est le tout premier game over. Ok, non mais quoi? Et je l'ai pas vu. Non, et je me suis fait têche. J'avais dit, ce niveau sera facile, lol. Donc le tout premier game over, c'est sur un niveau que j'avais dit que ce serait facile, ok. Bon, je vous ai dit que... Non mais quoi? Mais c'est un bâtard. Non, what? C'est-à-dire qu'à un moment, ils foncent et ils détruisent tout.
Bon, on va essayer. Ok, d'accord, très bien. C'est un premier game over, c'est cool. Hein. Bon, du coup, tu sais quoi, on s'en fout, champignon, c'est quoi, je vais prendre... Voilà, et je vais le... Et. Déjà, il est flemmard, et ensuite, quand il voit qu'on arrive à le dévier, il nous tire dessus. Mais c'est un enfoiré. Alors, attends, juste tout ce qu'on met. Eh, on va lui régler son compte, vous inquiétez pas. On va se venger. On va se venger, mais vous inquiétez pas. Là, il est plus sur terre, là. Alors, déjà, on prend lui et lui, voilà. Ouais. Ah, le zombie, lui, là, il va le faire chier, non ? C'est quoi ? Ok. Allez, bim ! Allez, alors là. Là, il va le payer, là. Ah, ça m'a saoulé, là ! Mais je me souviens que le champignon, il réussissait à, genre, enlever la catapulte du mec. Mais non. Enfin, le flemmard, comme je l'appelle. Oh, ah, mais et la miniature de cet épisode, je sais pas ce que je vais mettre, mais je sens que je vais me faire plaisir. Genre, je vais mettre le zombie. En plus, dans l'épisode. Enfin, bref. Je sais pas où spoiler la miniature. En fait j'arrête. Bref. À chaque fois, je frôle le fait que je vais vous spoiler. Mais je savais pas. Et je crois qu'il m'a jamais fait ça, ce zombie, là. What? En fait, ah ouais, non, mais eh, par contre, si lui, j'ai eu un game over, je vous raconte même pas le niveau que je suis en train de flipper. Hein. En vrai, je pense que non, on va pas le faire en live. Mais waouh! Franchement, quoi. Bon, du coup, cet épisode, bon, vous aurez deux fois le même niveau. Ça n'est point grave. Bon, je vais pas faire d'ellipse, hein, comme ça, voilà. Alors, là, la première fois que je le vois, paf, le piment. Là. Et en plus, qu'on aura massolé. Ah, c'est bon, j'ai une stratégie. En fait, peut-être qu'on n'aura même pas besoin. En fait, c'est juste que j'avais fait une mauvaise stratégie. Je le savais. En fait, j'avais mis plus de kata. Bon, katakraine. J'avais mis plus de katakraine là où il y en avait deux déjà. Parce qu'en fait, là où je mettais ça, les trucs là. Déjà, on va mettre un là. En fait, il n'y en avait qu'un de katakraine qui protégeait le truc. Donc, c'est nul, un. Il en faut au moins deux. Ah. Mais en fait, le truc, c'est de... La stratégie, c'est de supprimer la fleur de derrière. De derrière. Et de mettre ça. Voilà. Comme ça, il y en a deux. Ouais. Mais, voilà. Mais je m'en souvenais pas de cette stratégie, là. Oh là 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 là. Ah, j'ai pas assez réfléchi, voilà. Alors, pour les zombies, vous savez, c'est aussi de la réflexion. Et là, voilà. Bon, ce niveau, ouais, bah... En vrai, je sais pourquoi il m'a pas quitté, parce qu'en fait, le genre, dès que j'ai vu le niveau, j'ai eu direct la stratégie, je pense. Mais là, on dû me dire, ah, c'est la nuit, et tout. Les excuses. Bon, du coup. Faudrait quand même porter des fleurs, parce qu'à un moment, on sera en cours de flowers. Oh mon dieu. Oh my god! Une voie de secours à la rescousse. Et merde. Ouais bah là on est à la dash là. Avant on était en mode thug et tout. Là il y en a plus hein. Là, la thug attitude. Bon du coup la thug attitude là elle est partie. Parce que là on est un peu dans la merde. Oh, on est un peu dans la mouise là. J'ai passé mes premiers trucs là. Oh là là. Putain j'étais surpris là. Sous le choc. Sous le choc émotionnel. Sérieux. Je crois qu'en fait, pendant tout le reste de l'épisode, je vais dire sérieux, sérieux, sérieux. Non, mais le mec, genre, il est en mode gros flemmard dans son petit truc. Et là, il se dit, oh bah, tu vois, attends, je vais avancer. Hein. C'est la pub, voilà, c'est la pub. Je vais avancer. Non, mais sérieux. Il méritait des claques. Il mériterait des claques, ce zombie. Sérieux, quoi. Genre, il se rafale dans son petit. Non, sérieux. Bon, bref. Alors, toi, tu vas pas me saouler bien longtemps. Non. Ah, c'est bon, il va mourir. Voilà, ça l'occupera. Puis, peut-être qu'il va même pas l'atteindre. Alors, mon premier rempart. Mais génial, je l'ai même pas. Eh, la partie commence tellement bien, c'est génial. Bon, tu sais quoi, je vais le laisser parce qu'il va peut-être me servir, qui sait. Non mais pas du tout en fait.
Mais non. Non mais Oh là là. Et j'aurais. Ah ouais, j'allais dire, ah, j'aurais dû prendre les oignons, mais ça pour cette partie, je l'ai pris. Je l'ai pris. On est déjà 15 minutes d'épisode. C'est cool, c'est cool. Alors. Là. Là, ça va chauffer. Putain! Mais non, quoi? En fait, c'est le froid, je pense. Non, je sais pas. Attends, le zombie catapulte, là, il est où? Là, là, je vais le... Eh. Là, il va voir des... là, sa vie... En fait, il aura même pas le temps de voir sa vie défiler devant ses yeux. Je vais le buter direct. Il est où, là? En fait, je pense que vu que mes mains sont froides, ça clique à côté. Enfin, je sais pas. Là, là, la prochaine noix, là, je vais bien la placer. Mais là, du coup, on en met... Oh, putain. Mets ton échelle de merde là, vas-y, que t'as acheté à Ikea. Allez, tiens. Voilà. Non, quoi. On se fout de ma... Non, attends. Mais c'est trop compliqué. Non, mais attends. C'est trop... Ce niveau, c'est un enfer, c'est quoi ce truc? Mais c'est trop dur. Non, dis-moi pas que je vais avoir un game over. Non, aura un game over, c'est pas possible. Non. Je retiendrai jusqu'au bout. Oh putain, non. Un pot, vite. Non. Mais quoi? Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce niveau? Non mais c'est trop dur. Non mais, c'est beaucoup trop dur. Non mais, bon, vous savez quoi, on va rater le niveau là. Alors là, je pense que je vais le faire le niveau hors caméra. En fait, je ferai le niveau hors caméra et j'arrêterai, vous savez, à la manche où je me suis fait tuer là par le... Voilà, le zombie flemme là. Et bon, en fait, dès que je vais m'arrêter à la manche là, je sais plus si c'était la manche 2 ou 3. Enfin ouais, je regarderai le replay. Mais je m'arrêterai à cette manche là. Et je pense qu'en fait, je mettrai pause et je quitterai le jeu. Et ce qui est bien fait sur Plan de Zombie, c'est que par exemple, si tu t'arrêtes, genre si tu mets pause par exemple à la moitié du niveau 6 du dernier monde, là je dis un exemple, hein, et que tu quittes le jeu et que tu y reviens 3 mois après, et bah 3 mois après, ça va être écrit ouais, vous êtes arrêté à machin, voulez-vous continuer? Et si tu mets oui, bah en fait, ça met ça met l'écran. Vous savez que quand j'ai repris là, c'était écrit reprendre la partie ou quitter. Bah là, ça va mettre cet écran là. Et après, voilà, tu pourras... Là, je mettrai reprendre la partie, voilà. Je pense que je vais faire ça, hein, si... Je pense que vous m'avez compris, là. C'est... Voilà, c'était clair, hein, pour moi. Donc, voilà, hors caméra, ça sera l'une des seules fois que je joue à Plein de Zombies hors caméra. Mais là, c'est beaucoup trop dur. Mais vous avez vu ce niveau? Je me suis pris 2 game over. Bon, ça s'annonce très mal. Bref, donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode fort en rage. Voilà, pour ceux qui aiment bien me rager. Et bah, vous êtes servis. Enfin, voilà. Bref, donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à liker. Commentez, abonnez-vous, partagez la vidéo et on vous dit à très tôt. Ciao!